L'indice allemand des prix à la consommation devrait ce mercredi sortir stable. C'est en tout cas ce que prévoient les analystes avec un IPC à 1,7% pour le mois de mai. Statu quo donc a priori pour le leader économique de la zone euro. On suivra également l'évolution de la production industrielle de cette même zone euro avec une contraction attendue, c'est vrai, mais une contraction qui diminuerait un passage de moins 1,7 à moins 1,1%. En avril. Et puis enfin, pour clore la journée, direction les États-Unis, où la déclaration budgétaire du mois de mai sera dévoilée. Elle devrait s'élever autour des 110 milliards de dollars.